ici, Roger Bélanger. C'est mon premier vidéo que je vais faire sur un smoothies à la protéine. Mais genre, pour les gars de la construction, parce que je travaille dans la construction, je suis entrepreneur peintre. Alors, j'étais un gars qui est très actif, qui a déjà fait de la compétition. Et c'est une habitude que j'ai. Alors, au lieu de boire du Pepsi ou autre, des boissons sucrées, j'aime autant me faire un bon smoothies. Alors là, c'est mon premier vidéo que je vais faire. J'ai fait ça. J'ai tout déjà préparé mes aliments. Et je vais vous montrer quelque chose de rapide. Alors, c'est sûr qu'on peut utiliser du lait. On peut utiliser du jus ou de l'eau. Mais moi, ma préférence est le jus d'orange. Alors, on va s'en verser un petit peu dans le contenant. Et moi, je mélange les fruits et les légumes. De préférence, je vais prendre des fruits qui sont frais. Alors ici, j'ai préféré pour des fraises, des bananes et justement des bleuets. Alors, on va essayer ça. Et je vais mélanger avec des fruits qui sont congelés. Et c'est les fruits qu'on ne peut pas avoir dans ce temps-ci. Alors, comme vous pouvez voir, on a des mûres, des framboises. On va mettre ça au travail. Et comme légumes, moi, je suis fort sur les antioxydants. Alors ici, comme vous pouvez voir, j'ai de la tomate. Tu peux te rapprocher. Et j'ai coupé déjà des piments jaunes, des piments oranges et des piments rouges. C'est des antioxydants et c'est vraiment très, très, très bon au goût. Alors, il faut l'essayer pour le voir. Alors déjà là, ça nous fait un bon mélange. Et on a beaucoup d'enzymes à l'intérieur de ça. Et c'est sûr qu'on quand on voit des films de Rocky, on est porté à mettre des œufs. Alors, j'ai quand même gardé cette habitude-là. Je vais mettre seulement un petit œuf au travers. Et vu à cause de la quantité, bien là, on va rajouter un petit peu de jus. Mais, des fois, je vais te porter à rajouter un peu d'eau. Et pour terminer, vu que je m'entraîne, t'as le kit, on va prendre une soucoupe de protéines. Celle-là, je l'aime bien parce qu'elle a excellent goût à l'avaler. Et on va mêler le tout. Donner un petit goût parce que là, je vais travailler dur et je vais faire quelque chose qui va demander beaucoup de temps et d'énergie. Je vais me rajouter un petit peu de miel. Il y a des fois, je vais mettre du sirop d'érable, du vrai. Alors, on en met juste un petit soupçon, juste pour dire, ceux qui vont être vraiment en voulant en avoir plus, vous pouvez en mettre plus, mais juste un petit soupçon va être assez pour donner un petit goût plus sucré parce que vous avez déjà des fruits de blé dedans amplement. Alors aussi, on pourrait rajouter de la glace, des petits morceaux de glace pour pouvoir mettre ça le plus froid possible si vous voulez le boire immédiatement. Après ça, on verse ça dans notre contenant. On ferme le tout. Un petit brassage léger à votre santé. Magnifique. Alors, Roger Bélanger, pour notre première recette de smoothies protéinés pour la construction